bon, les filles, je suis venue faire quelques petites courses rapides, pas les grandes courses, parce qu'on n'a pas de place dans la voiture. Par exemple, là, les filles, vous avez pour, on va dire, aller environ 13-14 euros. Vous avez deux pots de lessive. Donc, franchement, ça vaut grave le coup. Après, moi, c'est pas celle-ci que je prends. Par exemple, là, les filles, vous avez. Fallait du gel douche. Les filles, on n'a plus de gel douche. J'ai pris au bonbon. Et Tijani, je lui ai pris à l'huile. Vous avez tous les. Ouais. Bon, là on est au niveau des on est sur 1,50€ le paquet, je sais plus. Et vous voyez ici, contrairement au Viva, vous avez énormément de marques. Enfin, vous... Regardez les filles, ça a l'air trop bon ça. Regardez les filles, le poulet il est à 1,50€. Ouais, 1,50€. Franchement les filles, il est beaucoup mieux que le Viva. Hein. C'est la première couche, pareil les filles, c'est pas cher du tout. Que j'ai jamais remise, normalement il y avait une big tête de lit, ouais, trois fois, donc c'est le troisième logement, les chambres. Donc voilà, même tout ça les filles, ça va sauter, ça va être cool. Retenez que tout ça ça va sauter, j'en ai plus besoin, faut que je le vende. Ah, tout ça, ça va changer aussi. Bon, les filles ont pas fini. Sarita m'a dit barre toi Elle m'a dit pars, c'est pas fini. Du coup, maximum une heure, tout est vide, tout est prêt. Soukaina, je viens de voir ton mari. J'en ai pas pour longtemps. J'en ai pour. J'ai besoin de genre une heure. Maximum une heure. Tout est vide, tout est propre, tout est nickel. Et vous pouvez rentrer à la maison et tout est fini. Tu sais, il manquait le luxe de ta chambre, de ta beauty room. Donc c'est bon, là, il arrive, ils vont me le fixer en 2, 4, 6. Désolé, mais on l'a que c'est compliqué. C'est là. J'ai ramené Islam à manger, les actions. Donc je vais laver avec. Bon, alors les filles, regardez-moi la beauté de ce salon. Vous vous souvenez, je vous avais mis les réalisations 3D il y a quelques semaines. Et voilà en vrai ce que ça donne. Ah, mais je suis choquée. Franchement, les filles, je ne pouvais pas espérer mieux. C'est tout ce que j'aime. Le épuré. Oh, c'est... Oh, les filles, c'est magnifique. Je vais pleurer tellement. Bon, alors les filles... Les filles, regardez-moi ça. Non, c'est pas sublime, les filles. Là. Bon, alors, les filles, regardez-moi la chambre de ma vie. Je vous explique pourquoi j'ai pris un lit comme ça. Alors, sachez qu'Islam, les filles, il est claustrophobe. Il aime pas les petits espaces. Il aime pas, genre, être serré et tout. Donc, moi, je me suis dit, vu que je l'allaite, encore pour le moment, je m'endors avec lui. Il sera ici. Islam, c'est pas quelqu'un qui bouge dans la nuit. Donc, ça, c'est super, je lui mettrai des petits trucs sur le côté et il dormira mon bébé. Et en plus de ça, ça peut aussi servir de chambre d'invité, par exemple quand ma famille vient pendant une semaine, vu qu'Islam il dort encore avec nous, même si là j'ai pour but de le faire dormir dans sa chambre. Bah vous voyez, c'est une chambre genre, ah, elle est magnifique. Bon les filles, je vous montre mes chéris ma beauty room. Regardez comme ça. C'est magnifique. Donc ça, c'est, vous savez, le Pax en trop. Donc ça, je vais le donner à mon petit frère. Et ici, il y aura mon miroir. Voilà, mon miroir, je l'avais déjà. Donc demain, on va juste faire, voilà. Comme ça, je vous ferai les halls et vous aurez vu sur ça. Magnifique. Attendez, les filles, je vous montre un truc. Coucou. J'aime trop. Bon, les filles, je vous montre, mes chéris, ma beauty room. Mes chéris, est-ce que vous avez vu cette coiffeuse? Vous savez qu'ici aura lieu tous les halls. Les tutos, là, ça y est, là. Là, franchement, je vais vous faire des... Ah, vous n'êtes pas frettes, les filles.
Donc voilà les filles, notre chambre. Regardez comme elle est. Ah, ça donne pas trop envie de rester que dans la chambre là, se poser devant Netflix, devant la télé. Donc franchement, j'ai demandé à ce qu'il y ait des LED partout parce que j'aime trop. Bon, là, j'avais pas allumé. Regardez le lustre, comme c'est magnifique. J'avais demandé les filles à ce qu'il y ait, genre, que mon appart il soit hyper lumineux. Vous savez, pour mon contenu, pour mes vidéos et tout, j'en ai trop besoin. Donc elle m'a vraiment fait un appart, genre comme je voulais, hyper lumineux. Vous voyez comme c'est lumineux, les filles. C'est ce dont tout, j'ai toujours rêvé, un appartement où il y a de la lumière partout. Et regardez comme c'est, franchement, c'est canon. Regardez, il y a des petits cadres. Regardez comme ça fait trop beau dans le couloir. Là, le salon, les filles. Après, ma cuisine, vous la connaissez. Bon, désolée, elle n'est pas bien rangée. Mais vous voyez comme tout est lumineux et tout. Ah, franchement, j'aime trop. Donc, alors mes beautés, je veux vos avis. Sachez que ça y est, c'est fini. L'appartement, si je peux le racheter, je le rachète. Il est magnifique. Ça y est, je me sens trop bien les filles. C'est sublime, c'est la déco que j'ai toujours voulu avoir en France. Alors demain, les filles, elle va me ramener un olivier à mettre ici, avec un grand jar. Elle m'a pris blanc. Elle m'a dit, franchement, ça va rajouter un petit truc. Là, juste vu qu'on était pressé, elle m'a dit, normalement, je te livrerai dans 2 jours, hein, histoire de tout terminer et tout. Elle m'a dit, mais je pouvais pas vous laisser parce que les filles, nous, on n'en pouvait plus des Airbnb et tout. Donc demain, elle va venir terminer, elle va me ramener un gros. Alors demain, les filles, bon, les filles, c'est ok mes chéris. Je vous explique, je suis en pyjama. Regardez les filles, c'est trop beau, j'aime trop. Donc là, ah oui, mon dressing. Vous avez vu les filles, j'ai tout refait. Donc là, l'objectif, ça va être de tout ranger. Donc ici, bah ça, je l'ai gardé. Ça, je l'ai gardé. Et ça, regardez ce que j'ai fait. Je pense que vous allez kiffer. Ah oui, je ne vous ai pas montré. Ah non, merde, ils se sont trompés. Bon, je vous montre les filles ce que j'ai fait. Voilà, donc mon nouveau dressing. Donc en fait, ils avaient mis ça au-dessus. Donc là, c'est tout pour mes bijoux. Regardez les filles comme ça fait canon avec les LED. Là, franchement, mon pouf et tout, j'aime trop. Et ici, ce que j'ai fait, je vous mettrai tout le détail. C'est grave mieux. Donc en fait, ici, vu que j'ai rajouté des portes, vous ne pouvez pas avoir un tiroir en bas. Donc j'ai mis corbeille, je mettrai des chaussures s'il en faut. Et ici, c'est ma petite tringle à jean. C'est mieux que les mettre dans les armoires, je préfère. Donc, je vous montre les filles. Voilà, ouvert, ça donne ça. Franchement, c'est trop beau. Le sac en haut, c'est mes affaires, en fait. Vu que on fait pas attention, les filles, parce que ça, c'est tous nos affaires de 18 jours. Mais la cuisine, c'est une cuisine qui était déjà aménagée dans l'appartement. Donc, ils n'y ont pas touché du tout. Franchement, elle est trop belle, la cuisine. Je vous montre. Big plan de travail. De toute façon, je vous l'avais déjà montré. Marbré et tout, comme ça. Franchement, elle est super belle. J'ai rien eu d'autre à faire, du coup, pour que ça aille dans la continuité. Alors sachez les filles que ici là, vous savez Dubaï c'est trop bien, pourquoi vous pouvez laisser vos colis pendant une semaine comme ça, il n'y a personne qui va vous voler. Ça c'est un gros colis Shein. Donc ici, bon alors du coup mes chéris, regardez la lumière que j'ai dans ma magnifique beauty room. Quand je vous dis que je vais vous faire des tutos, mais c'est pas les tutos d'habitude, make-up et tout, genre là j'ai envie de me surpasser en make-up. Vous savez, j'ai envie de faire les oser les yeux, faire plein de trucs. Genre, j'ai trop envie de me surpasser, vous proposer un nouveau contenu, comme je vous ai dit. Tout ce que je vous ai partagé,
sur les notes, là, le 27 septembre, c'était pas valable, là, pendant les semaines où on était en mode vagabond. Franchement, les filles, je pouvais rien vous partager. Donc ça, c'est prévu pour là. Genre, dès demain, Inch'Allah, je commence donc les recettes. Maintenant, ça y est, mon intérieur, il est incroyable. C'est l'intérieur d'une créatrice de contenu, on va dire. Là, j'ai pas d'excuses. Franchement, j'ai pas d'excuses. J'aime trop ma déco. Franchement, les filles, vous avez toutes kiffé, donc je suis trop contente. Là, il va se passer beaucoup de choses dans cette beauty room. Je vais vous parler de beaucoup de choses. On va faire, enfin, ça, vous verrez, je pense que vous allez beaucoup, beaucoup aimer les filles. Que ce soit les tutos ou les hauls, on va parler ensemble. Je vais m'ouvrir à vous, vous allez vous ouvrir à moi. Et franchement, j'ai trop, trop, trop hâte. Alors, revenons sur mon absence de ces 7 jours. Alors, pourquoi les filles, j'ai décidé de couper les réseaux? Parce que, en fait, je vous faisais des stories. Il y a un matin, je vous ai fait des stories, des snaps et tout. Pas de vues. En gros, mes vues, ils étaient bloqués à 1000. Alors que moi, les filles, en une heure, je fais entre 80, 100 000, 150 000 en une heure. Enfin, quand c'est le début de la journée, je veux dire. Et en fait, là, c'est resté bloqué à 1000. Personne ne voyait mes stories. J'y allais. En fait, ça faisait déjà quelques jours que mon snap est bugué, que vous m'envoyez des messages pour me dire « Souk, t'es où ?» alors que je snappais, que vous écriviez à ma sœur, à ma mère et tout. Et en fait, ça ne marchait pas. J'ai dit... J'étais en train de péter un plomb. Déjà, je vous souvenais, je vous parlais d'un bug. Et là, le matin, quand j'ai snappé là, et que c'était resté bloqué, je recevais pas vos messages, je voyais pas mes stories. Je dis, je stoppe. En fait, je me suis renseignée et on m'a dit, c'est un bug snap en général. Et en fait, il faut pas snapper pendant une certaine durée et ça va se remettre. Donc, j'ai dit, vas-y, je coupe. En plus de ça, j'étais pas chez moi. Franchement, on a fait au moins 8 Airbnb. Sachez que là, vous nous avez laissé avec un Airbnb il y a une semaine. On en a fait 4 entre temps, 4 nouveaux, parce qu'en fait, je vous explique. On n'avait pas de date finale de l'appartement. Et en fait, à chaque fois, je disais à Mounia, Miskina, je disais, Mounia, s'il te plaît, donne-moi une date et tout. Elle m'a dit, ma chère, on a eu du retard et tout avec le building qui ne voulait pas les laisser passer. Donc en gros, je ne peux pas te dire de date. Donc moi, je n'avais pas envie de mettre un appartement trop. Et en fait, on va revenir à la maison. Je n'avais pas envie de payer des jours en plus, vous voyez. Et donc, à chaque fois, on faisait des petites durées. Sauf qu'après, si on voulait reprolonger, c'était déjà booké. Donc on changeait. Donc ça m'a saoulée. Donc voilà mes beautés, donc il y a eu le bug qui m'a complètement saoulée. Il y a eu du coup le fait qu'on soit pas à la maison et que j'avais rien à vous proposer parce que je peux pas cuisiner, je suis pas chez moi, je peux pas vous faire de outfit, je peux rien faire, vous voyez. Et la troisième raison, c'est que j'avais un petit bad mood par rapport à mon bébé, par rapport au fait qu'il arrive pas du tout à s'adapter à la crèche, quand on allait chercher tous les... parce qu'en fait on allait chercher à 11h les filles. Le sac poubelle en maîtresse. Et en fait, la maîtresse, elle nous disait qu'il a pleuré. Genre, on le déposait. Tijani, il le dépose et moi, j'allais le chercher. Et en fait, à chaque fois que j'arrivais, il était en train de pleurer. Et je dis à la maîtresse, rassurez-moi, c'est pas comme ça depuis qu'il a été déposé. Elle me dit, si. Sans interruption, il a pleuré de 8h à 11h. Et c'était tout le temps comme ça. Et j'étais dans un bas de monde. Je me disais, mais ça fait quand même un mois. Pourquoi mon fils, il s'est pas adapté? Donc, j'étais pas bien. J'essayais de chercher des solutions. Donc, j'ai dit, ok, j'ai la maîtresse, écoutez. À partir de lundi, donc hier, c'est fini. On ne vient plus le chercher à 11h. Il faut qu'il s'adapte. On viendra le chercher à 15h. Elle a dit, ok, bon, bah, si vous voulez, on commence la sieste et le repas et tout à la crèche. Je dis, s'il vous plaît, on fait comme ça. On a fait comme ça. Hier, il a chouiné. Et aujourd'hui, alhamdoulilah, Jani, il a été le chercher. C'est lui qui a été le chercher. La maîtresse, elle lui a dit, franchement, aujourd'hui, c'était beaucoup mieux. Il a beaucoup moins pleuré. Il a quand même un peu chouiné, mais il a moins pleuré. Voilà, les filles, les trois raisons qui font que cette semaine-là, j'étais pas là. C'était pour ça, il n'y avait rien de grave ou quoi. En tout cas, merci pour tous vos messages. Quand vous écrivez à mes proches et tout, franchement, je vous aime. Vous êtes la meilleure team. Pour ne pas dire communauté, parce que je vous ai gêné plus employer ce mot. Vous êtes la meilleure team de tous les réseaux. Je vous aime trop. Bon, sachez les filles que le canapé... Il est super. Bon, ici, je vous ai pas dit en fait. Regardez qui est là. Dors mon bébé, mon petit frère. Il est venu vivre à Dubaï. Il est à la maison le temps qu'il trouve quelque chose. Ça y est, moi je suis fan, moi je suis une fille très très fan de tout ce qui est LED, les filles. Vous voyez, j'aime trop. Genre là, la pièce elle est éteinte, mais il y a les LED d'allumer, donc c'est trop. Voilà, et là, mon petit bébé d'amour, il dort encore avec papa, maman. Mais
Bon, voilà les filles, là j'ai ouvert mon gros carton Shein. Non mais ça, on va ranger toute la coiffeuse demain. J'ai même pris du make-up pour tester. J'avais mis ça les filles, enfin j'avais reçu ça mais je les ai jamais ouverts parce que j'aimais pas ma déco. Je me suis dit le jour où j'aurai ma déco, je les sortirai. Vous savez c'est quoi? C'est la marque Bayam. Ah non mais regardez les filles, ça va aller parfaitement avec. Donc je vous montre les filles les deux petites pépites. Franchement les filles, j'ai trop trop hâte de tester. Bon les filles, j'ai besoin de savoir. Est-ce que je reprends, parce que là j'ai des tapis partout, vous voyez. Est-ce que je reprends le cobalt ou alors je prends le tinko? Parce que le cobalt, ils ont sorti un dernier modèle, je crois. J'en ai profité pour faire des petites commandes Amazon aussi, les filles. Je le montre demain aussi. C'est 7 minutes du poivre. C'est la passion de mon fils. On mangera ça. Comme ça, je reprends les recettes dès ce soir. Donc, petit déjeuner, il aura le droit à un pancake et une brique de jus. Donc, je vais prendre ce qui est resté. Là, je vais lui découper sa petite pomme. Parce que... Bon, il fait pas encore très jour, les filles, mais regardez. Comme c'est magnifique, là. Mais regardez, lui. Il veut pas aller à l'école. Je l'ai réveillé, il veut pas aller à l'école. Pour le changer dans sa chambre. Il s'est mis dans les bras de mon petit frère. Tu fais quoi là? Islem! Oh là là, Islem! T'as entendu la police? Hein? T'as entendu la police, mon bébé? Tout à l'heure, quand tu rentres de l'école, si t'es sage, maman va te ramener au parc, ok? Ok, mon bébé? Faut pas que tu fasses ça tous les matins. Hein. C'est un... Ça y est. Allez, on y va. Allez, appuie. Petit cœur, allez, on y va. Non mais sérieux, mes chéris, regardez-moi cette petite dégaine. Je suis sortie avec mon pyjama. Parce que je suis hyper en retard et j'ai même pas eu le temps. Je vais rentrer, je vais me laver. Je déteste aller en pyjama comme ça à la crèche, mais là... J'ai vraiment pas le choix. Il m'a fait la misère. Tant que la voiture elle chauffe un peu. Il y a des bouchons à cette heure-ci, c'est les heures de pointe. Tout le monde va travailler, tout le monde emmène ses enfants à l'école. Et bref, tous les matins c'est comme ça. Je jongle, il fait des crises, il se jette par terre. Comme je vous ai dit, là il a 3 ans après-demain, Inch'Allah, dans 2 jours du coup. Et on est en plein dans le terrible tout. Donc les 2 ans approchent, il me fait la misère les filles. Mais genre... Il pleure pour un oui, pour un non, il se jette par terre. Bon, c'est bon, je suis arrivée, les filles. Alors, ma belle, je vais répondre à ton commentaire.
En fait, si j'ai mis Islem à la crèche, c'est parce que j'avais besoin qu'il soit en collectivité, parce que déjà, il est fils unique. De deux, il est à l'été. Et de trois, j'ai besoin qu'il se développe. Et on est parti voir un neurologue qui nous a dit que le meilleur moyen pour lui qu'il se développe, etc., c'était la collectivité, donc bah, la crèche. Et franchement, ici, on a la chance d'avoir des crèches juste incroyables, avec des équipes incroyables, font des activités incroyables, font piscine et tout. Enfin, j'étais obligée de le mettre, même si l'école, ça sera officiellement l'année prochaine, enfin, trois ans. Mais là, franchement, j'étais obligée, les filles. Surtout que moi, j'ai envie d'arrêter l'allaitement. Il est tout le temps collé à moi, du matin au soir. C'est épuisant, je vous jure. Alors ça, quand je vous dis, les filles, on est à côté de tout. On est vraiment à côté de tout. Donc ici, c'est l'établissement scolaire anglais ou américain, je sais plus. En tout cas, je sais que c'est un lycée. Et en fait, c'est trop mignon parce que déjà, tous les enfants et tout, ils ont l'uniforme et tout quand ils sortent, quand ils arrivent à l'école. Franchement, j'aime trop ce quartier, il est magnifique. Ils ont fait vraiment un espace verdure. Il y a des parcs avec de la verdure partout et tout. Tout ce que j'aime, quoi. Parce que moi, j'aime pas quand, ça y est, c'est trop, trop fake et tout. Et là, franchement, j'aime trop. Et là, regardez, bon, là c'est bon, je suis arrivée, les filles. Mais regardez là ce qui est en train d'ouvrir, genre juste en bas de la maison. Regardez, hein. Un géant. Donc il n'y aura que des produits français et tout. Franchement, trop, trop bien, les filles. Aujourd'hui, j'ai envie de m'habiller en full khaliji. Et je me prépare, on se prépare ensemble. J'ai un petit entretien à passer à 9h. Et là j'attends. Et parce qu'il est 9h. La personne n'est toujours pas là. Et après on se prépare. Et les...